Bon, super. Crash OBS encore. Super, j'adore les crashs de OBS. Je comprends pas pourquoi ça crachouille comme ça. Enfin, je comprends pas. Enfin, pas. Déjà la semaine passée. Enfin, fin de semaine passée. Voilà. Ouais, faut faire gaffe. Dès qu'il y a les petits. Je peux pas toucher les boules hein, sur le mur en face. Évidemment, ça crache des boules de feu. Quel enfer. Mais OBS est instable pour le moment. Coucou, Oura. Comment vas-tu, Oura? N'hésite pas à taper la. Ça va. Enfin, ça va. C'est OBS qui ne va pas, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas aller. Je ne comprends pas. Mais n'hésite pas à taper la commande point d'exclamation Mass Effect. MA2SE2FECT. Ouais, j'ai fait un peu compliqué, hein, mais faut le vouloir. Faut mériter la participation à l'event, enfin au tirage au sort. Ouais, et de toute façon, le petit message de Wazebot vous fait bien comprendre que vous avez bien rentré la commande. Hein. Mais ouais, la OBS qui ne veut pas hein, en ce moment. Passer là. Ah non. Il y a un truc que j'ai. Il y a des trucs que je dois détruire que j'ai pas vu. Parce que là, je suis dans un cul-de-sac, non? Sinon, ça risque d'être compliqué. Ça, je peux détruire pour remonter ici, je suppose. Non? Ouais. Il n'y a que ça, non, à mon avis. Ah, mais on a une carte. On a une carte de tout, ou tout, rien du tout. On est où? On a une carte de que dalle ici? Non, on a une carte de Sequin Island, mais là, on est dans un donjon. Donc, ça ne compte pas. On n'a pas la carte du donjon, apparemment. Super. Mais il n'y avait que ça. On est monté ici, pourquoi alors? Qu'est-ce qu'il nous faut? T'as eu le message, donc c'est bon. Ouais, bah évidemment, les meilleurs sont là. Les meilleurs sont là. Les meilleurs ont pu dormir cette nuit, un petit peu. Pensons aux chers streamers qui ont streamé cette nuit. Et qui donc, ici, sont très certainement en train de dormir. Qu'est-ce que. Ouais, ce bloc-là. Pourquoi je suis venu récupérer. Qu'est-ce que je suis venu récupérer ici de spécial? Il y a l'air d'avoir. On a l'impression qu'on peut faire des choses là. On voit sur la droite le bloc de. Les pierres à hauteur de ma tête sont un peu différentes. Après, je vois qu'un peu plus haut aussi, il y a des blocs, enfin une pierre en moins là-haut. Je sais pas si ça a une importance. Mais je dois faire très certainement quelque chose ici. J'ai avancé dans le donjon hein, pour venir ici. J'ai pas vu d'autres portes et j'ai pas de clé. Et apparemment, le singe fait pas grand-chose. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il puisse faire quelque chose plus que ça. Ah, comme ça, c'est bon, j'ai compris. Aïe, 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 quel enfer. Mais quel enfer. Si on me met des passages secrets comme ça. Ouais, ça va être compliqué, hein. Voilà, et je suis revenu. Mais c'est le début du donjon, ça. Mais j'ai fini le donjon, j'ai rien looté. Ça, c'est le début du donjon. Ah, le. Non, non, mais maintenant que j'ai ça, je peux aller récupérer le coffre qui est là au milieu.
Je peux très certainement, je ne sais pas comment, à quel moment, par où, mais je peux aller les récupérer certainement. Comme ça. Voilà. Et le seau magique. Non, la confiture magique, flûte, c'est de la confiture que je viens de récupérer. Je veux l'échanger avec quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Hein, tu sais pas comment ils ont fait pour stream toute la nuit? Je sais pas. C'est vrai que le stream minuit 4h et 4h 8h, j'avoue que c'est. Ah, c'est des horaires assez moches. Hein. C'est des horaires assez moches. Et surtout qu'il y a pas beaucoup de personnes à ces heures-là. C'est un petit peu chiant aussi pour ça. Ok, je suis obligé de redevenir un singe, bien sûr. J'ai la confiture magique. Ok, j'en fais quoi? Je la donne à qui? Parce qu'on m'a dit que c'était pas n'importe quoi et je devais la donner à quelqu'un, je crois, assez important. Je ne sais pas qui. Ouais, 4-8h. Et puis, ouais, il refait ce soir 21h minuit pour le C'est quoi ce bordel? Et il stream la nuit. Il stream encore cette nuit après, hein. Pendant qu'on sera encore en train de dormir, il fera encore un live, hein. Genre 2h30, 5h. Non, enfin, je sais pas, quelque chose du genre. C'est quoi? Bah non, je l'ai ici. Il refait encore 2h, 5h30. Alors que je l'avais dit, hein, China, que ça servait à rien de refaire des streams H24. On pouvait très bien faire des streams genre jusque minuit et puis reprendre le lendemain matin. À qui faudrait que je la donne? Est-ce qu'on tente, on va tenter la cuisinière peut-être? Même si ça m'étonnerait. Peut-être en ville, vu que c'est de là qu'on m'a parlé de la confiture magique. On va aller voir la cuisinière. Après tout, je m'en fous, je la donne à qui je veux, la confiture magique. La confiture et une cuisinière, ça me semble pas mal. Ça me semble être une bonne idée. Elle va certainement savoir quoi en faire. Mais ouais, il y en a. Ils sont bien mis, hein, Zorino, j'avoue, là. C'est bien mis pendant la nuit. Bon, après, si ils ont l'habitude aussi de jouer la nuit, ce genre de truc, ça va. Ah, l'odeur persistante des éclaboussures de cuisine. Ne t'enfuis plus, Wobblebell. Au pied! Non, elle s'en fout. Elle s'en fout, bien sûr, de ma confiture magique. Peut-être retourner voir un autre ami. Le zombie, là? J'ai pas retenu son nom. Ils en ont rien à faire hein, quand on les tape. Toi, tu reçois un coup, t'as une petite. T'as un petit moment donné où tu fais aïe, j'ai mal, et eux, rien à foutre. Ça, là, ce gros rocher, il va falloir le péter. Il va falloir l'écraser, ces gros rochers, j'en suis sûr. Bon, j'espère que j'ai bien fait que ça que pour la confiture magique, hein. Et qu'il n'y avait pas de seau à l'intérieur. À mon avis, il y en avait un et je l'ai loupé. Je vais peut-être faire plus de choses avec le. En forme de singe. Mais allez, quoi, l'araignée était chiante. T'es qu'une araignée, finalement. T'arrêtes pas de me toucher. Ou c'est moi qui me fais toucher par toi, tout simplement. C'est pas normal. C'est passé, non? Elle est chiante, ces araignées, elles sont chiantes. Ah oui, non, il fallait que je remonte s'il y avait un passage en hauteur, comme ça.
Voilà, est-ce qu'il y en avait bien un ou pas maintenant? Pas du tout. Il n'y a que une porte, d'une certaine manière, qui est par là-bas. Qu'est-ce que j'en fais de ma confiture? Le jeu ne donne pas beaucoup d'explications et d'indications. Ça serait pour tourner, à ressortir de la forêt au pire, oui. Faudrait qu'on y aille si on veut retourner en ville. Mais je ne sais pas si c'est ce que je veux. C'est ça la question. Vas-y, est-ce que tu veux de la confiture? Le Squid Baron habite quelque part dans la forêt, commence par lui. Ouais, non, je crois que ça suffit pas. Ah, mais à moins que ma confiture... Non, mais ma confiture, c'est ma thune. Non, c'est pas de la thune. C'est pas la thune qui ne fonctionne pas. Mais c'est un objet clé. Ouais, il faut que je retourne en ville. Voir si je peux en faire quelque chose. Peut-être la dame qui m'en a parlé. Non, attends. C'est sur ma hauteur apparemment. C'est par là-bas. Ouais, il a eu du mal à faire le 4h-8h. C'est pas... Ben, apparemment le 2h30-5h... C'est ça? Non, le 2h-5h30, ça va pas trop le gêner parce que c'est un peu ses heures habituelles. Mais jusqu'à 8h, c'est long quoi. Et surtout quand t'as, si t'as personne en plus. C'est vrai que. Il a remarqué qu'une nuit, c'était finalement, c'est long, une nuit. Bah, j'ai envie de dire que c'est aussi long qu'une journée. Hein. Il a. Bah, quand moi je suis arrivé, il était donc sur la dernière heure. C'était. Il était sur le Marvel. Avengers. Ouais, le Marvel Avengers de Square Enix. Il jouait avec quelqu'un. Donc heureusement pour lui. Est-ce que ici en singe on passe? Ah, le singe saute beaucoup plus haut. Vous avez trouvé un porte-cœur. Vous pouvez maintenant recevoir plus de dégâts qu'avant. Cool. Donc, mais je sais pas s'il a joué les 4 heures là-dessus ou bien s'il a fait autre chose. Ouais, bah ouais, c'était ça en tout cas à partir de 7 heures, c'était ça. Après, je ne sais pas. Je dois avouer que je suis allé me coucher pendant le live de Wara, évidemment, vu que j'allais devoir après prendre le relais ce matin. Il fallait que je sois quand même aussi un minimum en forme. Alors, bienvenue dans la salle d'import. Oui, non, c'est pas lui qui m'a parlé de ça. Je crois que c'était peut-être la dame de... Non, c'était une dame... elle était dehors. C'est elle. Je suis connu pour mes confitures magiques. Elles s'étalent comme d'un rêve et ont le goût d'un bout de paradis. Malheureusement, des monstres ont volé mes derniers pots. Si tu trouves de la confiture magique, ne la donne pas à n'importe qui. Échange-la contre quelque chose qui a de la valeur. Non, elle n'en veut pas. En boutique, peut-être. Parce qu'il y a deux monnaies. Il y a les rubis. Ah, la confiture magique, c'est de la thunasse. Mais j'ai que un pot et... Mais t'es sérieux? Jean? On va rencontrer autant de confitures magiques que ça? Bon, si c'est bien l'argent. Oui, oui, oui. Bon, ben, je crois que finalement, il me manque un truc dans le donjon. Et j'ai pas encore ce qu'il faut. Il va falloir trouver ce seau magique chez le Squid Baron.
Tu peux m'emmener. De toute façon, j'ai qu'un endroit. Oui, non, j'ai dit non, mais c'est oui, bien sûr. Pourquoi t'es. Non, là je. Oui. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Des noms, oui, non, oui, peut-être. On ne sait jamais. Il faut que je m'enfonce dans la forêt pour retourner dans la grotte. Ou dans l'antre du baron Squid. À mort les araignées! Aïe. On peut sauvegarder, même si finalement on n'aura pas fait grand chose, on a récupéré un peu d'argent. Ah, par contre, le Shandai, si ça te donne aucune indication, font pas trop d'indications sur ce que tu dois faire et que tu reprends le jeu. Enfin, dès quand tu commences le jeu, faut pas s'arrêter. Enfin, faut pas s'arrêter. C'est pas un jeu que tu dois mettre en pause plusieurs jours, semaines. Sans y jouer, sinon tu sais plus du tout ce que tu dois faire. Hein. Et c'est la merde. Bon, il y avait ça, certes. Aïe. Mais à part ça, j'en fais quoi de ta confiture? Est-ce qu'il y a d'autres murs cachés par ici? De ce côté-là. Ah non. On a été à cette porte. Bah on va refaire tout le donjon. Hein. Je crois que je vais devoir refaire tout le donjon. Ça sera plus simple d'une certaine manière. Voir ce qu'on pourra faire de plus avec le singe. Ah, et le bluff. Ah non, c'est vrai que je suis sorti du donjon, plutôt, on va dire. C'est pour ça que les blocs se sont remis. Non, j'essaie de voir s'il n'y a pas des passages secrets. Ici et là, il n'y a rien. Si, là, il doit y avoir quelque chose. Là, il y a quelque chose, voilà. Là, c'est quoi ça? De la confiture, ouais. Vous avez obtenu la confiture magique. Super. Le singe, je ne sais pas s'accrocher à la corde. Enfin, la corde. La chaîne. Chaîne nébulaire! Oh, mais vas-y, le jeu, tu m'embêtes. Tu m'embêtes. Tu m'embêtes. Tu fais les défis herboristes aux pauvres. C'est encore quoi les défis? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire dans les défis herboristes? Je me souviens plus. Hein. Enfin, plus trop. Si, c'est cueillir. Ouais, si, c'est cueillir des plantes et autres. Ah, si, tu vas devoir récupérer et récolter chaque plante. Enfin, genre la première fois, tu dois récolter si la moitié des plantes, ou un truc du genre. Enfin, une bonne partie en tout cas.
Et après, dans le dernier niveau, tu dois récupérer toutes les plantes, sauf que tu dois recommencer depuis le début. Tu dois recommencer à zéro parce que toutes celles que tu as récupérées pendant enfin, l'un des niveaux précédents ne comptent pas. Si, ça je me souviens. Ça c'était moche. C'est chiant. Oh là là. C'était chiant. Mais il y a moyen de descendre. Je sais que j'ai déjà des. Enfin. Les niveaux là, les plateformes quand t'es dessus, je sais que j'ai déjà descendu. Comment on fait pour redescendre? Non. Ouais, voilà, on fait comme ça, c'est un peu moche. Ça peut... Ah, là, il y a certainement moyen avec le singe, peut-être. Ouais, c'est comme ça qu'on vient ici. Il y a des passages secrets. Purée, quel enfer. Il pourrait faire tellement plus simple. Non, essayez de reprendre le passage secret par contre. Pas du tout. Ok, il n'y a pas de passage secret par ici. Récupérer. Là, je suis. Tu as faire 6 fortifiants. Il faut 6 trucs de chaque. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, les fortifiants. Ouais. Oh. Ils sont. Bah, c'est les défis. De toute façon, ils sont bien chiants. Hein. Ils sont bien chiants. Ça, c'est clair. Faut récupérer tout le temps plein de trucs. Courage. Peut-être pas. Ah mais non. Mais si, je revenais au début, non? Ouais, si je suis revenu au début. Oui, ce qui me permettait, parce que j'avais looté la clé, qui me permettait de venir par ici. C'était ça le truc. Je peux vraiment pas descendre. Ouais, il faut être bien à distance du gros chevalier pour le taper, pour lui balancer la magie. C'était de la mana qu'il me fallait, pas de la magie. Ok, là il y a un autre passage secret. Pas encore de la confiture. Mais pour traverser tout le niveau, ou pour traverser tout le niveau, tout simplement. C'est bien. C'est plus simple à monter aussi en singe. Ah, c'est vrai que je savais pas aller là-haut. Il me faut une clé, non? Il me faut une clé. Ah, arrête d'utiliser ta magie pour rien. J'ai pas de clé, il me manque une clé. Ah, je sais peut-être encore aller plus haut. Je sais peut-être aller plus haut. Oui. Vas-y, donne-moi une clé, le jeu. Non, pas de clé. Pas 6 mais 5. Ouais, bah. Enfin, c'est déjà un de moins, mais bon, ça reste quand même pas mal. Non, pas par là. S'il n'y a pas d'explication, pas d'indice, je trouve où ta clé? Par là-bas non plus. Peut-être pas les pierres ici? Non, pas du tout, c'est pas possible. Ah ouais, ici, ça, ce petit passage, on l'avait vu. Ouais, choper 30 herbes. Froid.
Et on n'y avait pas été ici, ça c'est sûr. Malgré que la porte soit fermée, soit ouverte. Ah mais si! Ah bah non, c'est une autre salle. C'est une autre salle. Ouais, c'est chiant par contre à casser les blocs. Oh, avec les cheveux. Ça suffit pas encore? Ouais, non, non, faut que j'arrive à rentrer. Mon singe, on y arrivera peut-être. Voilà. Voilà, et maintenant faut ressortir en singe, plus simple. Hop. 2, 3, plus simple. On va y arriver comme ça. Ah ouais, salaud. Salaud, monsieur. Votre hitbox est pourri. Et j'ai fait ça. Un coffre. Ok, là. Une clé, voilà, bien sûr. On a une clé. On va pouvoir ouvrir la porte que l'on avait retrouvée plus tôt. Et comme par hasard, tu en trouves plus. Bah oui, je te l'avais dit, je te l'ai dit, c'est pareil. Moi, c'était les spatules et les ronds surtout. Mais enfin, c'est surtout que j'ai retenu. Parce que ça m'avait bien marqué. Mais oui, c'est normal hein, de ne plus en trouver. C'est un jeu, hein, faut bien rester très longtemps sur le jeu. Hein. Ah, ça va pas le faire. Ah non, il sait pas. Ou alors je saute trop bas. Ouais, non, je sautais trop. Je me prenais quelque chose. Je me prenais les blocs sur la tête. C'est pour ça que ça ne passait pas. Je sautais de trop haut. Ah non, ça va pouvoir. T'as fini l'exotique. Ouais, bah heureusement. Enfin, c'est moi qui étais. Enfin, qui ai pas été malin. Enfin, j'ai pas forcément regardé de guide. Et je me suis pas dit, tiens, je rencontre plein de hérons, je vais les tuer. Enfin, ou plein de spatules, je vais tuer les oiseaux, on ne sait jamais, par précaution, non. On m'a demandé d'aller tuer des hiboux, j'ai tué des hiboux, on m'a demandé d'aller tuer truc, j'ai tué tel animal, j'ai pas tué d'autres animaux en même temps. J'aurais pu, j'aurais dû. Ça aurait été malin. Je n'ai point été. J'ai joué très longtemps. Ah ben voilà, là c'est une salle de boss, ça. Ça, c'est une salle de boss. Avec, du coup, le saut magique derrière, très certainement. Alors, comme ça, tu as déjoué mon labyrinthe. Ah, t'as fait pareil, mais c'était les aigrettes. Non. Enfin, je l'ai pas dit. Qu'est-ce que j'aurais dit? Non, parler de Red Dead Redemption 2. On a parlé, j'ai dit hibou, on a dit spatule, héron. Non, on pas forcément dit... Enfin, si c'est Drago, Drago vient. Non, Drago vient non, peut-être Drago, mais on aurait dit plus pour parler de dragon, mais c'était... On a parlé de Dragon's Crown, mais c'était déjà il y a un petit temps. Mais ça ne te servira à rien. Mon seau magique ne bougera pas d'ici. Mes petits et moi, on est prêts pour la castagne. Non, on parlait du défi arboriste et exotique de Red Dead. Oula. Aïe. Il saute pendant qu'il y a les gosses. Ah mais ouais, mais non, mais je suis mauvais là. Ouais, bon. Je fais n'importe quoi. Ouais, j'ai... Ah ouais, ok, bah je vois le pattern qu'il fait. Il faut que je me transforme en singe à ce moment-là. C'est plus simple, à mon avis. Oh, mince. Ça fait quoi? Ok. On découvre les patterns.
Ah, vas-y, je me fais toucher comme ça. Ah, mais il est en train de régène, merde. Tant pis. Ah ouais, non, quand il fait ça, c'est qu'il va faire attaquer plusieurs fois. Ouais, bon. T'avais plus d'aigrette. Ah, réessayer, ben oui. On réessaye. Ah, par contre, la magie qui vient à zéro, ou presque. Ah non, c'était à ce moment-là. Bon, c'était juste avant. Juste avant. La salle de sauvegarde juste avant la salle du boss, et on te redonne encore plein de trucs devant la salle du boss. Je peux essayer la magie. Elle n'est pas spécialement utilisée. Mais vas-y, non, il faut que je saute. Faut que je saute directement. À peu près. Oh, vas-y, j'ai pas eu le temps. Non, non, je veux tenter. Parce que. Tu es petit, mais je sais pas si ça fait finalement. Si ça sert à grand chose. Ah mince! C'est vrai qu'il faudra peut-être que je remette. Bon, bah finalement là, je l'ai eu, non? Ouais, les éclairs, c'est vrai que ça fait du bon taf, des hits en veux-tu, en voilà, en peu de temps sur le boss. C'est vrai que c'était bien pensé, sans le vouloir. Et j'ai le saut magique! Ta-da-ta-da-ta-ta-ta-ta. Et je tourne en rond indéfiniment. Ça sauvegarde. Je crois bien. T'as le casque pour ton live, ouais, et le son du tien sur l'hôtel, c'est pour ça. Non, mais pas de soucis. Il faut que je fasse quelque chose. Un cercle, peut-être. Risky Boots! Ah, voyez-vous ça? Alors tu as réussi à trouver le premier sceau. Magique avant moi. Un beau travail. Maintenant sois gentil et donne-le-moi. Certainement pas. Va-t'en ou je fracasse ce truc en morceaux. Oh là là, pas besoin de s'affoler. Je suis sûr que l'on se croisera très vite à de nouveau. À plus tard. Donc elle arrive, elle me dit donne-moi le truc, je dis non et puis elle se barre. Super. Très intéressant, hein. La prochaine fois, madame, tu viens pas. Hein. Allez, on va revoir bah, notre amie. Je sais pas, c'est la zombie. Enfin, avec sa toile pour voir, elle va peut-être me dire quelque chose. L'emplacement du baron suivant. Oh, allez, mais je suis mauvais là sur cette araignée-là. C'est vrai que j'ai des potions aussi que je peux utiliser. Enfin, oui. Enfin, des potions de soins. J'ai pas encore acheté celle de magie. Mais j'ai un lot de 3 potions. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Ici on est sur le téléporteur, ça ne m'intéresse pas.
puisse me réussir. Oh mais vas-y, là, je saute alors que je devrais pas. Hop, retournons voir notre ami. J'ai pas retenu son nom. Lui, cette forêt a plein de coins et recoins. Ça peut vraiment valoir le coup d'être curieuse. Oh, elle me dit rien d'autre. Et quoi? Tu dis ça pour la forme de singe ou pas du tout? Est-ce que je peux faire quelque chose en singe? Non, je peux pas grimper à ces troncs. Ben vas-y, saute sur l'ennemi, bien sûr. Est-ce que je peux faire quelque chose en singe là-dedans? Pas du tout. Ouais, il y avait ça. Peut-être que maintenant je peux faire... Non. Ah non. Hein? On ne peut pas déverrouiller cette porte? Bah, pas sans clé en tout cas. Ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Salut Enchantresse et salut Papa Ours. Comment allez-vous? Bienvenue tous les deux. N'hésitez pas à entrer la commande point d'exclamation Mass Effect. Ça s'écrit comme ça. Avec donc le point d'exclamation devant. Hein, pour participer au tirage au sort. Qui aura lieu bien plus tard. Enfin, le résultat aura lieu bien plus tard. Pour qu'on ait des candidats. Et qui est vraiment un enjeu véritable. Hop, et vous devez bien sûr avoir reçu le petit message de Wazebot vous confirmant la participation. Mais je ne sais pas. À qui est ce que je dois faire ou à qui je dois parler? Aller dans une autre forêt, c'est vrai que là je suis allé vers l'est, je peux aller vers l'ouest, mais à part ça peut-être sinon il faudra peut-être que je fouille dans la forêt, les coins et recoins. Non, ça je sais toujours rien faire je pense avec ces gros rochers. Pour moi non, ça va. Après ça a été dur pour Zorino, le stream nocturne, ça a été dur pour lui en tout cas. C'est cet horaire-là, ça a été dur. Mais pas de soucis pour moi. J'ai dormi, donc ça va. Ça, on a été récupéré. Peut-être... reparler en ville, voir s'il n'y a pas l'oncle. Il va peut-être me dire quelque chose. Il était où l'oncle? Où était l'oncle encore? Peut-être là-bas, je sais plus. Peut-être au phare. Enfin au phare, c'était un phare ou pas? Il me semble que ça va ressembler à un phare, à la petite baraque. On peut pas aller dans la baraque? Là, il y avait l'œuf. Ah, mais en singe, je peux y aller là, certainement. Touloutou, t'as bien reçu le message, ça va, alors tant mieux. Donc je peux bien venir ici en singe. De l'argent, flûte. Parce que spécialement ce que je voulais, la baie des polypes. Bon, sinon, de toute façon, j'explore tous les endroits, je trouverai bien... Ah, c'est la... Oula. Oh, c'est la merde comme plateforme. Ouais, il faut être en singe. Ça va être là, certainement. Oh, ça va être la merde. J'ai pas le niveau pour ça là. J'ai clairement pas le niveau. Bah, surtout si on voit plus le singe. Oh, je suis clairement trop tôt. Hein.
C'est clairement pas maintenant que je dois venir ici. Ça, c'est plus les donjons. Le passage de fin de niveau. Hein. Ah mince! Ah non, ça va. Mais ça va par là. Je suis clairement trop tôt, je pense. Les petites plateformes comme ça. Je sais pas, ça pue un peu. Ça, je sais pas aller. Et je sais beaucoup trop. Ouais, non, ces machins, je sais pas encore les faire. Il y aura des trucs, mais je sais pas encore y aller. On va tenter de traverser, mais Ah! Flûte. On aurait pu réussir. Ouais, voilà. On va y arriver, on va y arriver. On va activer le n'offusque le téléporteur s'il y en a un. Il n'est pas encore fini ce couloir de la mort. Heureusement qu'il y avait ça, mais par contre, je dois revenir dessus. Pour aller sur le suivant, en hauteur. Et là, ça va. Ah, les petites plateformes de merde. Ouais, mais c'est pratique, salut Cypher, c'est pratique, comment vas-tu? C'est pratique d'avoir les petites têtes de mort pour savoir que tu vas mourir et qu'il n'y a rien en dessous. Franchement, ça c'est cool. N'hésite pas à taper la commande point d'exclamation Mass Effect. Le tout en un mot, bien sûr, pour participer au tirage au sort. Tu dois faire deux courses. Bah, bonne journée à toi, Monkey. À la prochaine. Hein. Merci d'être passé. Bonne course à toi. Alors, on a les trucs. Est-ce qu'on peut les taper, là, ces genres de crabes? Pas l'air. Et on peut tomber à la flotte, bien sûr. Heureusement, on ne meurt pas. Ça sera peut-être plus simple, finalement, de nager. Mais je crois que je suis venu ici beaucoup trop tôt dans l'aventure. Mais au moins, voilà, on a activé un téléporteur. Quoi? Moi? C'est déjà le matin? Eh oui, déjà. C'est clairement le matin, il faut se lever, monsieur. Ok, c'est l'heure, les télépoulpes sont sur le coup. Voilà, un de plus. Ah, des coffres. Voilà, on va avoir des objets cheatés maintenant en début de jeu. Oh, flûte. C'est de l'argent. C'est de l'argent. On veut pas d'argent, on veut de la confiture magique, nous. La confiture magique, voici. Qu'est-ce qu'il veut, le monsieur, là? C'est le matin, hein. Faut se réveiller, hein. Oh, mais c'est... Oh, c'est le maire de la ville. Il m'a viré. C'est le maire de la ville. Je travaillais pour lui, mais il m'a viré. On va le réveiller. On l'emmerde. On l'embête. On l'embête. C'est ballot en tant qu'organisateur du giveaway. Et il peut pas, c'est ça? Ah, t'as pas le droit. Oui, c'est pour ça. Ah, ben, c'est dommage. Mais je ne sais pas. On nous le dit pas, ça. Mais vas-y. De toute façon, il y en a plusieurs candidats. Donc t'as peu de chance. Enfin, t'as autant de chance que les autres hein, d'être tiré au sort, mais t'as moins de chance, on va dire. Ah, t'as déjà gagné hier. Ah, d'accord. C'est une victoire. On a droit qu'à une victoire. Ok. Mais tu l'as pas déjà fait, Mika? C'est qu'une fois, hein. Ça ne va pas fonctionner une deuxième fois. Hein. T'as pas plus de chance en retapant la commande. Hein. Ah, le génie. J'imagine que tu m'en veux toujours. Bah un petit peu, ouais, tu m'as viré, mec. Maintenant je suis SD. Enfin non, j'ai peut-être un domicile, mais je suis sans travail fixe là. La nouvelle s'est répandue. Maintenant que Risky Boots complote sa vengeance, le palais de Secundland a peur d'envoyer des chariots. Sans commerce de pêche, Scuttleton est voué à couler. J'espérais ne pas avoir en arriver là, mais tiens, prends ça. Vous avez obtenu l'acte de la ville? Quoi, l'acte de propriété de la ville? La ville m'appartient maintenant? Ah, comme j'avais crash. Oui, c'est OBS qui a crash, mais je crois pas que ça soit le giveaway. Ouais, j'en sais rien. Ça t'a remis quoi comme message, Mika? Ça t'a mis que la participation était déjà en cours, ou bien que... Ou ça t'a mis que tu as déjà une participation pour le tirage? J'avoue que ça serait pas mal de savoir, parce que ça se trouve, il y a tous les participants d'avant, il faudrait qu'ils retapent la commande alors. C'est quoi ça? L'acte de Scuttleton? Il y a un homme riche de l'autre côté du désert qui me pousse à vendre la ville depuis quelque temps. J'ai refusé évidemment.
Mais vu la situation, son offre est le dernier espoir de nos habitants. Et donc, après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de lui passer les rênes de la ville. La ville ne sera jamais plus la même. Mais au moins, Scuttleton sera sauve. Alors on n'en sait rien, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire de la ville. Il doit y avoir un autre moyen. Si seulement. Mais je crains que me faire un petit pactole en vendant la ville juste avant qu'elle soit anéantie soit la seule solution. Je t'en prie, honore ma demande. Ce sera ton dernier service. Trouve l'amo baron et donne-lui cet acte. Mais non, mais c'est un des messieurs qui a un sceau magique. Je vais pas lui vendre la ville. Et puis, le mec, c'est le baron qui va se faire de la thune juste avant la fin du monde. C'est un enfoiré, ce baron. Enfin, ce maire-là. Quel bâtard. Sincèrement, désolé, mais c'est un salopio. Hein. Je vais clairement pas. Non, je veux aller au champ de Lila. Je vais clairement pas vendre la ville hein, pour lui faire plaisir à ce salopio là. On devient maire en principe, c'est par élection, c'est pas par. c'est pas parce que t'as l'acte de la ville. Là pour le moment, techniquement, j'ai l'acte de la propriété de la ville, c'est moi le maire. Hein. Ah, t'es toujours dans la course, ça va. Ouais, tant que je fais. Ah ouais, c'est quoi la commande après pour faudra que je tape pour valider pour le tirage? C'est Dropic, c'est ça? Ouais, c'est Dropic. J'ai fait un Dronium. Faudra faire un Dropic. Ben ouais, c'est vrai qu'on peut dire que c'est le vizir d'Aladin ou le vizir dans Is No Good. J'en sais rien. Ou celui de Prince of Persia. Il est aussi méchant comme vizir. Les vizirs sont jamais des gentilles personnes. Ah, ça saute. Ça saute au-dessus des précipices, là. Mais c'est quoi ce mob, là? C'est un mob intelligent, c'est incroyable. Y a de l'IA, hein. Ah, elle, non, par contre, elle a pas envie de sauter. Quand ils sont au niveau 2 de l'étage, ils sautent plus, hein. Au rez-de-chaussée, ça va, mais... Ah, mais non, elle saute. Flûte. Mais elle donne de la magie. C'est de la magie qu'elle donne, elle. Elle n'a pas l'air de donner de la thunasse, hein. Ah si, si, ça donne aussi de la thune. Comme vous pouvez voir, les ennemis repop hein, à l'infini, n'importe où. Ce qui est bien pour farm et chiant quand tu veux simplement parfois avancer. Regardez là, c'est quoi tous ces ennemis qui pop sur cette plateforme? T'as une plateforme de 5 mètres carrés, de 5 mètres carrés effectivement, et t'as 25 ennemis dessus, c'est incroyable. Ils veulent être sûrs que rien ne passe, même si ça ne fonctionne pas. Is No Good, oui, Is No Good, qui veut devenir le vizir à la place du vizir. Non, le calife à la place. Non, Is No Good, c'est le calife, c'est le vizir, et il veut devenir calife à la place du calife. Quoi? Moi, c'est déjà le matin, mais oui, on vous a déjà dit, les poulpes. Oh! 5 x 5, 25 mètres carrés, oui. Bah oui, 5 fois sur 5, ça fait une surface de 25 mètres carrés, hein. Désolé, hein. C'est comme ça, hein. 5 sur 1, ça te fait une surface de 5 mètres carrés, hein. Monsieur, là, faut... Ah, mais bien sûr, lance des potirons sur ma gueule. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, les carrés. Bon, évidemment, on parle d'une distance de 5 mètres sur 5 mètres, pas de 5 cm par 5 cm, ça ne fera pas 25 mètres carrés, mais 25 cm carrés. C'est moi qui devrais leur balancer de la magie aussi. Et si tu veux savoir, 5 par 5 par 5, on passe en cube. Les mètres cubes, ah mince. On se peut se faire avoir par le nuage de l'explosion aussi. Bon, je peux rentrer même si ça sert à rien. Donc, sur 5 mètres, ouais, 25 ennemis, ça peut être normal, mais bon, c'est quand même un peu exagéré, non? Qu'il y ait autant d'ennemis sur une petite surface. Sur la petite plateforme, là, il y avait quand même 5 ennemis, quoi, c'est quand même exagéré. Ah, il faut que je l'y aille en singe. Wouh, bonjour!
Ah! Il touche quand même! Non, 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 mais par contre. Ouais, faut arrêter là! Les lanceurs de citrouilles là, les épouvantails, vous êtes pénibles hein! Ouais, la hitbox! Je suis dégueulasse! Heureusement que quand il meurt, il lâche pas une citrouille. Ça aurait été pire, ça aurait été dégueulasse. La vie, ouais, non, la sauvegarde. La sauvegarde, on avance. Je sais pas où je pars, mais j'y vais. Hein. Combien fait un mètre cube d'eau en poids? Ah, ben, attends, un mètre par un mètre par un mètre. Je crois qu'il y a un truc. Il doit y avoir une... Tu connais la réponse à ta question, au moins. Hein. Tu poses pas un truc, genre, pour savoir. Il doit y avoir un truc. Ah, ben le désert du baron, là, c'est justement là-bas qu'on doit aller pour vendre la ville. Ah, ça va au bout du désert. Il doit y avoir un truc pour savoir la réponse facilement. Mais j'avoue que je ne sais pas. Comme ça, je ne sais pas la formule. Ouais, tu sais. Ah, c'est quoi ce blob? Non, je ne sais absolument pas la réponse. Enfin, après, j'ai un mètre cube. Enfin, il faudrait avoir le truc devant soi pour se dire combien représente un mètre cube. Je sais pas, une dizaine de kilos, ça me paraît énorme, non? Les araignées, là. Dégagez. Ah, je peux péter ça? Non, mais pas avec... Peut-être avec une boule de feu. Non, la boule de feu, on pètera pas la pierre. On va tester. Non, pète pas, c'est clair. Je pense pas que le nuage me fasse quelque chose non plus. Non, j'en ai aucune idée. C'est quoi? C'est quoi? Mais dis donc, Jamy, c'est quoi la réponse à ma question, là? Super. On a avancé dans le désert comme ça? On est dans un Mario, finalement? On a traversé tout le désert grâce au passage secret? Une tonne? Non. Un mètre cube d'eau, c'est une tonne? Mais c'est exagéré, non? Ouais, attends, une tonne pour un mètre cube d'eau? C'est pas possible. Ah, c'est quand même pas si gros que ça, un mètre cube. Ouais, mais c'est... Ouais, un litre, un kilo, ça je veux bien être d'accord. Ah ouais, c'est 1000 litres. Ouais, mais c'est parce qu'on... Comme je te dis, là, c'est vrai qu'en voyant pas forcément devant moi un mètre cube d'eau, j'ai un peu du mal à me faire... Enfin, à me dire qu'il y a 1000 litres dans un mètre cube d'eau, en fait, c'est ça le truc. J'ai pas l'impression que c'est aussi grand que ça, et finalement, je verrai un mètre cube d'eau devant moi, je me dis, ah ouais, c'est quand même c'est aussi grand, finalement. Une tonne, purée, mais c'est abusé. Ouais, c'est ce qu'il a dit, donc... Oh, purée, une tonne, c'est abusé. Ah ouais, c'est bien ennemi, ce machin. J'avais espéré que c'était un PNJ, genre le gardien de la tour qui voulait me parler, là, mais non, c'est un méchant. Il y a tout comme ennemi dans ce désert, là. Il y a même des crabes du désert. Mais ils sont au courant qu'ils sont dans un désert, là. Il y a un crabe du désert qu'on avait trouvé tout à l'heure dans l'eau, hein. Ils auraient pu foutre un autre animal. Ça aurait été bien. Tiens, tu vois, tu vas cramer avec tes plumes. T'apprendra là. Par contre, tu lootes la prochaine fois, tu lâches du butin. Hein. Ah, mais je suis obligé, je peux pas passer la zone sans la grotte. Enfin, sans la petite. Ah, mais. Ouais. C'est chelou. C'est chelou. Ah, là, des trucs. Vas-y, remue ton petit popotin. Est-ce qu'on peut passer en singe? Passage secret!
pour tout simplement ça. C'est de la merde. On voulait vraiment de la confiture ou genre la relique directement. Ça servait un petit peu à rien ce passage secret, non? J'ai l'impression de m'être fait entuber. Non, là il y a encore un passage secret à tous les coups. Hop, ici on a quoi? Ok, on passe où? On va par où? Mais... il y a un passage secret mais qui mène à nulle part? C'est genre c'est pour revenir ce passage secret? Non, c'est pas possible. Je peux pas aller en haut, je peux pas aller à gauche, à droite c'est là que je viens, je peux pas aller en bas... À quoi ça sert? À quoi ça sert un passage secret pour me dire peut-être qu'il y a un autre passage secret, genre un autre endroit secret? C'est genre, regarde, là tu sais pas y aller mais il y a quelque chose. Ou alors j'ai pas encore le pouvoir finalement. C'est peut-être ça aussi, hein. Il me faut une combinaison de deux pouvoirs, de deux danses. C'est pas impossible. Voilà, je voulais casser les blocs. Très important. On va voir. Oh, non, ici c'est la fin. On va retourner. On va quand même aller voir ce qui est par là-bas. Tu vois, tata. Mais ouais, c'est ludique. Bah ouais, si on essaie d'apprendre des trucs comme ça, ouais, ça. C'est informatif en tout cas, ça c'est sûr. Mais ouais, non, purée. Une tonne le mètre cube, ça paraît tellement. Enfin, tu te dis que c'est que 1 mètre cube. Et une tonne, ça paraît. C'est tellement énorme. C'est incroyable. Il faudrait là, le Jamy, là, les frères, là, pour nous expliquer pourquoi, là. Tellement énorme. On ne croirait pas. Bon, il y a deux sorties, finalement. Ah, là, il y a un passage secret. Passage secret. On peut aller en haut. Passage secret ici. Qui nous ramène, ça se trouve, à l'autre sortie. Non, qui nous amène ailleurs. Mais c'est pour de l'argent. C'est bien beau, mais si c'est que pour de l'argent, j'ai envie de dire que ça sert à rien, non? On est censé y trouver des choses plus intéressantes. Comme de la confiture magique. Des réceptacles de cœur. Ce genre de choses. Enfin, des porte-cœurs, ils appellent ça. Ouais, mais... ouais, c'est un Roumain qui s'est perdu, l'archer. Ouais, j'en ai pas vu beaucoup des Roumains archers. Je suis pas sûr que les Roumains soient très connus pour être bon archer. En tout cas, pas aux Jeux Olympiques, c'est souvent les Asiatiques, les Coréens ou Chinois qui excellent. Même s'il me semble que c'était peut-être bien. Peut-être un Européen, là, ou. Enfin, chez les dames qui a réussi à faire un bon score, là, au dernier JO. Mais c'est quand même assez plus les Chinois et Coréennes, je crois, qui sont bons à l'arc. Mais c'est un labyrinthe, ton machin. Bon, après, je suis en train de partir du mauvais côté. Normalement, techniquement, je devrais plus aller à gauche. Là, c'est vrai que je suis en train de partir à droite. Eh ben, vas-y, on a maintenant l'homme du désert, l'homme sable. Il propulse, hein, le monsieur. Et il explose, bien sûr, Michael Bay. Ouais, s'il me touche, si je le touche, il me touche. Ce qui paraît logique. Mais pourquoi Michael Bay est aux commandes du jeu? Ah, mais flûte le rouge. Bon, 4 coups et on tue le bonhomme de sable. Après, ouais, il y a beaucoup de... Ouais, il y a plusieurs catégories de tir à l'arc, hein, mais de ce que j'ai vu, enfin, ou ce que je voyais, c'était quand même pas... Enfin, énormément les Asiatiques qui étaient... qui dominaient. Avec même, il me semble, des finales 100% chinoises, par exemple. C'est pour ça qu'on dit que tu fais un mètre cube. Oh, mais non, Cypher, personne dit ça. T'as fait du tir à l'arc, Papa Ours? Et t'étais bon, apparemment?
Ah ouais, il y a des différentes catégories, comme pour tout, hein. Comme pour pas mal de sports, hein. Ah, flûte, je tombe dans le trou, moi, directement. Mais les ennemis n'ont pas forcément repop, ça c'est pas mal. Ça se trouve, je suis en train de revenir en arrière. Ah mais j'ai une carte. Aussi, je suis dégueulasse, je suis où? Ok, je suis là-bas. Ah ouais, d'accord, ça c'est pour le désert, je suis là-bas. Je suis en train de partir, je ne sais rien. On va avoir une salle de sauvegarde donc, juste après. C'est vrai qu'on a une carte. Touloutoutou. En art classique, ce sont les coréennes par équipe, mais on a des françaises très bonnes. Ah bah, après j'ai pas dit que les autres nations étaient mauvaises, hein. De ce que j'ai vu moi, au précédent JO, et je crois même... au JO d'avant, c'était surtout les Asiatiques que je voyais, moi. J'ai jamais dit après que les autres nations étaient si mauvaises que ça. Et il me semble même qu'il y a une catégorie que j'avais vue au dernier JO. C'était... Enfin, j'ai pas... une... peut-être pas forcément une européenne, parce qu'elle est peut-être américaine, je sais plus exactement, mais une caucasienne, je vais dire, qui avait gagné, il me semble. Bon, ça doit être... c'est qui, lui? Je suis Barracuda Joe, et ici, c'est la tour de combat. T'as un passeport? Non. Désolé, ma petite, c'est seulement pour les citoyens. Va voir l'amo baron. Engage-toi, et il te remettra dans le droit chemin. On t'y fera une danse sensuelle. Oui, tu feras... C'est comme ça que Barracuda Joe a été engagé. Il a fait là une danse sensuelle? Ok. Il va peut-être m'apprendre, il m'apprendra plus tard une danse sensuelle, Barracuda Joe, quand j'aurai le passeport. Mais il va falloir que je le trouve. Mais ouais, ouais, évidemment, heureusement qu'il y a quand même d'autres nations qui sont bonnes à l'arc. Sinon, ça serait un peu dommage de ne voir que des Asiatiques. Enfin, ou même que des personnes d'un même pays ou d'une même région. Non, heureusement que tout le monde est bon dans toutes les régions. Et surtout que c'est... attends. Que c'est le... Waouh, attends. Et surtout que c'est le qui développe les arcs avec Win et Win, car c'est une arc coréen. C'était pas très français, hein, la phrase. J'espère que t'as remarqué, hein. Je crois qu'on a compris. Si tu fais un arc, c'est les arcs coréens qui sont bons et c'est les donnent qu'aux coréens, c'est ça? On va éviter ça. Tac. Ça sert à rien. Non, je sais pas si j'ai envie de casser les petits pots là qu'on a rangé toute ma vie. Ah, mais je reviens ici. Ah! Avec une autre dent, je pourrais casser ça, mais là je suis revenu en arrière. Je suis revenu où? On voit pas sur la carte. Je sais que je suis revenu en arrière. Ah, mais il y a plein d'ennemis là, on voit rien avec les branches, les feuilles en haut. Là, c'est le premier ou pas? Je sais plus. C'était le premier passage, je crois. C'était le premier trou, non? Il me semble que c'était... Ouais, c'était le premier. Je suis revenu sur le premier truc. Ok, ça va. Bon, faut retourner au deuxième. Il faut prendre d'autres sorties, hein. Mais les crabes du désert, je m'y attendais pas, hein. Surtout quand on les a vus dans l'eau, avant. Allez, vas-y, le crabe qui a bouffé mon attaque de flamme. Attends. En gros, elles ont toutes les dernières innovations en premier. Ok, ouais. Ah mince, l'XP, l'argent qui reste pas loin, pas éternellement. Ok, elles ont les meilleurs arcs. Donc c'est pour ça qu'elles font peut-être aussi des bons résultats. Enfin, de meilleurs résultats.
On n'a pas été... Ah ouais, si, on savait pas traverser. Ok. Ouais, bah... Ouais, bah du coup, maintenant, je comprends, ça y ferait un effet. Enfin, c'est plus ou moins ce que je me disais aussi. Mais ouais, effectivement, enfin, c'est pas normal. Hein. Ils devraient tous avoir le même équipement, hein, je trouve, par contre, pour des compétitions comme celle-là. C'est les JO qui devraient fournir le matos. C'est pas eux qui devraient venir avec le leur. Enfin, pour un truc comme ça, même si... Ils peuvent s'entraîner évidemment avant. Et bah, évidemment, ils s'entraînent avant pour voir comment réagit l'arc, on va dire. Façon de parler. Enfin, je sais pas si... C'est pas le bon terme, bien sûr. Mais tout le monde devrait être sur le même point d'égalité. Et seulement le talent devrait départager les candidats. Ouais, après, c'est sûr qu'il y a du talent, de la discipline derrière. Hein. Tu deviens. C'est pas l'arc qui fait l'archer. Hein. Si tu donnes un bon arc à quelqu'un qui sait pas tirer, il va pas savoir beaucoup mieux tirer qu'une personne qui est entraînée. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ça peut aider. Ça aidera pas mal, certainement. Mais c'est pas l'arc qui fait l'archer. Hein. Ouais, la barbe ne fait pas le philosophe. Le talent, c'est français. Ouais, n'importe quoi, monsieur, là, n'importe quoi. C'est pas la modestie qui est française, en tout cas. Alors, on attaquera à partir d'ici. Non, d'ici. Le mec, il sait pas encore d'où ils vont attaquer. Mais j'arrive peut-être devant, je sais, bientôt devant le baron Hameau. Je guette le mal. Pfiouf, tu es une vraie bombe! J'en vois pas souvent des comme ça au milieu du désert. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Heureusement d'ailleurs. Kaboum! Qui es-tu, Bang? L'amo baron n'a pas besoin d'une autre copine. Psh, brouh! Ce dont il a vraiment besoin, c'est de ce trou à rats délabré de Scuttletown. C'est le terrain parfait pour ma prochaine campagne. Mes hommes marcheront sur ces terres comme 2 tonnes de pantins d'étain, tactique terrible. Ou 2 pantins d'étain, tactique terrible. Ratatatata! Hé! C'est de mon chez-moi que tu parles. Et tu vas en faire quoi de Scuttleton si je te donne la ville? Attends voir, ma jolie. T'as quelque chose pour Amon Barreau ou pas? Non, j'ai pas. Amon Barreau, on n'a pas toute la journée. Est-ce qu'on lui donne la ville? Est-ce qu'on lui donne la ville? J'ai pas envie, hein. Si c'est le bon... Ah, c'est le bon terme, s'adapte... Ouais. Mais c'est impossible, environ 8000 euros l'arc, pas sûr que le CIO ait les moyens pour tout le monde. Non, c'est sûr. Après, ouais, 8000 euros, c'est quoi? C'est le... Putain, la connexion qui suit pas. C'est le super arc de la mort, ou bien c'est un coréen, ou bien... Parce qu'il y a pas des arcs à 8000 euros. Hein. Enfin, tous les arcs ne valent pas 8000 euros. La connexion qui a du mal hein, depuis quelques jours chez moi, c'est chiant. Je sais pas pourquoi. Les gens de Avatar, quoi, ici c'est les monsieur dehors, de dehors? Pourquoi donc? Parce qu'ils sont habillés en bleu, tu penses que c'est de la Cité de l'eau ou Avatar de James Cameron? Bah vas-y, on va te remettre la clé de la ville, ça m'embête un peu, mais bon. Boum! Boum badaboum! Je savais bien que ce vieux boulet finirait par capituler. L'acte de Scuttleton est à moi. Ce qui signifie que le nouveau maire, c'est moi. Donc c'est bien ce que je disais, j'étais le mort, le maire hein, pendant la transition. J'étais un maire de transition. De James Cameron. Non. Je ne pense pas que ça soit. Enfin, quoi que si, ils veulent raser Scuttleton et tout, c'est peut-être les terriens finalement. Clic-clac, attention, c'est une moyenne, moi le tien fait quand même 3000 euros sans flèche. Oh purée, il y a 6 ans. Oh, c'est aussi cher que ça un arc. Incroyable. Et les flèches, ça coûte combien? Ou le lot de flèches coûte... Enfin, du coup, ça fait combien d'euros pour combien de flèches? Ah, je pensais pas que ça serait aussi cher.
Et encore, tu n'as Clark, parce qu'on le voit toujours, ils ont parfois un attirail aussi. Enfin, où t'as aussi une partie de l'attirail avec l'arc. Puis clic-clac, boum, donc psh-boum. Ok, oui, en parlant de ça, tous mes amis habitent à Scuttleton. On est très heureux et on n'a pas envie que ça change. Mais je crois qu'ils s'en foutent maintenant, j'aurais pas dû remettre. Ne t'inquiète pas, beauté, on est une grande famille maintenant. D'ailleurs, comme je suis le nouveau maire, tu es maintenant ma citoyenne officielle. Voilà pour toi, soldat. Vous avez obtenu un passeport! Bien, je vais pouvoir retourner à la tour de combat et apprendre peut-être une danse sensuelle. C'est quoi ça? C'est ton Amotone et ton journal d'activité. C'est quoi Amotone? Bah c'est peut-être le nom. C'est le nouveau nom de ta ville. Un nouveau maire, un nouveau nom. Mais ne t'inquiète pas, maintenant que tu es ma petite chérie et que je suis ton seigneur officiel, ça te dirait de t'engager dans mon armée privée? On a même une douche en plein air. Splish ploche. Non merci, j'ai des trucs à faire vers très très loin à droite d'ici. Fouille. Boum. Touché. Bien compris. Tu as l'air bien souple et active. Ça te dirait de venir faire du sport dans ma tour de combat? Privée? C'est seulement pour les citoyens. Et c'est une soirée spéciale pour les dames. Ta tour de combat? Oui, tu peux pas la rater. Montre-leur juste ton passeport. Si tu arrives tout en haut, tu gagneras une récompense. Dis-leur que c'est l'amo baron qui t'envoie. Bon, bah, je sais pas si apparemment il y a plusieurs fins. On m'a dit quatre fins. Je suis pas sûr qu'en ayant donné les clés de la ville à l'amo baron, j'ai choisi la meilleure des fins. Hein. S'il y a, on va dire, des bonnes et des mauvaises fins, bah, je suis pas sûr que ça soit la meilleure. Hein. Mais voilà, j'ai choisi de donner la ville à l'amo baron parce que pourquoi pas, choisissons des trucs des mauvaises fins. Tant qu'à faire. Alors un arc sans flèche, c'est comme une barque sans rame. Il va nous faire une chanson, ce cipher. Tout dépend des flèches, ça varie entre 100 et à 700. Les 12 flèches. Ah, les tiennes sont à 450 pour 12 flèches. Oh, c'est cher. Ouais, avec tout le viseur, les repose-flèches, la stabilisation. 3000 euros. Ouais, non, ah ouais, t'as pas... ouais, je me doute bien que t'as pas le meilleur, mais bah, déjà, enfin, si t'as un arc à 3000 et qu'il y en a à 8000, on peut se douter que t'as pas le meilleur, oui. En se disant évidemment que celui à 8000, c'est le meilleur. Ah, purée, c'est incroyable. Ouais, ou fais-les toi-même. Deviens Alloy, crée toi-même tes flèches. Un petit peu de, un bout de, un peu de ferraille, un peu de bois, et puis hop, voilà, tu fais tes flèches. Bon, je déconne, bien sûr, mais... Ah ouais, c'est aussi cher que ça. Enfin, évidemment, enfin... Ah non, fallait pas ressortir. On pourrait se dire que ça serait un sport, pas forcément de pauvres, mais pas de... Enfin, comparé à des sports mécaniques par exemple, où là ça peut coûter très cher. Mais oh, 3000, enfin, allez, 8000, enfin, l'arc de compète, de l'arc super pété. Enfin, même déjà 3000 euros ton arc d'il y a 6 ans, plus 450 euros les flèches, ça coûte. Je pensais pas. Ouais, c'est un joli montant, hein. Mais il est passé là-bas le mob, hein. Il est rentré dedans, saloupio. Hein. J'allais rentrer dedans et puis j'allais me faire agresser par le petit mob rouge. C'est incroyable. Et si, ouais, c'est un sport de luxe, ouais, bah, je peux. Non, non, là il y avait que. Non, je suis resté en singe ou pas? Ah non, oh mais quel enfer! Je pensais pas que ça serait un sport de riche comme ça, enfin de riche, un sport aussi cher. On n'a pas le poulpe là-bas. Attends, elle était où la sortie encore? Là, je dis pas de bêtises, on retourne sur l'argent. Il me semble, on est d'accord, non? Il y avait une sortie, non, c'était que de l'argent. Ah, mais je pensais pas que ça serait aussi cher, hein, franchement, un arc.
Je me suis dit, vas-y, il te faut un petit prendre la un petit genre ton jardin chez toi, façon de parler, si t'en as un, tu te mets une cible et allez, un arc, c'est bon, tu pouvais le faire, mais non, purée, carrément pas. Et en sachant que les flèches, tu les changes quasiment tous les ans, voire deux fois par an. Il y a des flèches pour la salle et des flèches pour l'extérieur. Oh purée, ouais, non, effectivement, c'est pas du tout un sport de pauvre, hein. Façon de parler. Ah non, c'est ici qu'il y a une autre sortie. Qu'il y a plusieurs sorties. Allez, mais oh. De se faire. Bon, mais tant pis. On tue le mob et on n'arrive pas à récupérer. C'était du. On s'en foutait un peu finalement. C'était de la magie. Mais ouais, non, les prix. Ah, oh, c'est fameusement cher. Et la nouvelle poignée de chez Hoyt fait 2 100 € sans rien. Genre, juste une poignée d'arc. 2 500. C'est abusé. C'est abusé. Ah, alors, le marché. Ah, mais non, mais je voulais pas monter sur la plateforme, le jeu. Pour tuer l'archer. Ah ouais, non, par contre, il faut que je revienne mon singe. Tac. Ah, purée. J'avais fait que du judo, moi, essentiellement. C'est vrai que ça allait niveau prix. J'achète juste un kimono. Bon, et de temps en temps des ceintures quand tu montes de niveau. Ah, mais c'était pas aussi cher. Hein. C'est pas aussi cher. Hein. Tu peux pas. Ça... Ouais, non, je me doute. Après, moi, je peux plus faire forcément de l'archerie chez moi. Hein. Mais ça va pas être de la compétition. Ouais. Ouais, je me doute bien. Enfin, pas de la compétition. Pas de l'archerie de compétition à la maison, ça, je me doute bien. Mais wow, purée, les prix, hein, y a... c'est vrai que quand t'es pas dedans, t'as pas l'impression, hein. Hop, non. Le son, il veut rien trop, il faut vraiment que je sois en singe. Hein, les golas, là, tirer trois flèches de fil... Enfin non, trois flèches d'affilée, seulement, c'est pas trois flèches en même temps. D'ailleurs, est-ce que c'est un arc réglementaire qu'ils utilisent? Est-ce qu'il y a moyen de tirer trois flèches d'affilée ou trois flèches en même temps? Non, c'est sûr que non. Attends, il y a quoi en haut de la tour? À part, il y a bien quelque chose, hein. On fait pas tout ça pour rien. On a grimpé pour rien, vraiment, il n'y a même pas un petit coffre. Enfin, ou alors j'ai pas ce qu'il faut pour encore pour le moment. Ça fait un peu pitié d'avoir escaladé tout ça pour rien. Hein. Enfin, pas forcément pour rien, mais bon. Il y a tellement de créatures dans ce désert, comparé à la forêt où il y avait 3-4 quelques mobs. Allez, le pot pour le réveil, on aura un nouveau téléporteur. On aura un télépoulpe. Et s'il y a pas là, il n'y a rien. Donc je suis arrivé en fin de zone. Ok, je suis là-bas. Est-ce que je suis... Ouais, non, la tente, c'était chez le baron. Allez, il faut que je retourne... faut que je retourne là-bas. Non, je crois que je vais rester ici, je redescends, ça ira plus vite. Mais non, mais je veux pas que tu m'emmènes. Laisse-moi tranquille, le poulpe, là. Quand c'est non, hein. En descendant, ça va être plus rapide, je crois. Ouais, surtout s'ils ont pas respawn. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute? C'est le moment de découvrir. C'est bon, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts de chute. Heureusement. Sinon, on aurait été dans la merde. Pas d'ennemis. Tout. Pour chez moi, Décathlon en vend pour pas cher, mais régularité, ouais, c'est zéro. Tu peux... Enfin, ouais, ouais, si je fais chez moi avec un arc de pourri, là. Ouais, non, de toute façon, vaut mieux pas.
Vaut mieux être, de toute façon, ouais, c'est sûr qu'avec des flèches comme ça, c'est quand même dangereux. Vaut mieux que ça soit un peu encadré. Vaut mieux, mais ouais, il pourrait y avoir, à la limite, m'entraîner façon de parler. Mais bon, si c'est régularité zéro, ça va plus faire rager qu'autre chose, hein. Et ça pourrait dégoûter de l'archerie. Alors que ça pourrait être un truc qui pourrait être intéressant à faire. Enfin, qui pourrait m'intéresser, si je fais ça avec un arc dégueulasse, finalement, je fais ouais, mais j'arrive jamais à tirer deux flèches au même endroit, enfin, pas au même endroit parce que je suis encore débutant, normal, mais genre si je tire une flèche à gauche et qu'elle part à droite, en exagérant bien sûr, ça va pas le faire non plus, hein. 3, 4, mais ouais, non, purée, c'est incroyable, hein. Il y a encore des gens là qui font un sport qu'on pourrait dire que c'est un sport de pauvre et finalement c'est très cher. C'est vrai que ça serait bien de demander aux autres ou pour des prochains lives s'ils ont fait un sport qui coûte beaucoup plus cher qu'on pourrait l'imaginer. Elle était où sa tour de combat là? Ouais, finalement elle était peut-être avant. Elle était peut-être dans la première partie du désert, je sais plus. Enfin, je me rappelle plus où elle était sa tour. Si elle est pas ici, non elle est ici, ça va, heureusement elle était ici. Mais ça serait plutôt un télépoop qu'il faudrait à la place d'une sauvegarde. Enfin, ou les deux. Allez, on va lui montrer le passeport, voir ce qu'il y a dans cette tour de combat. Les tours de combat sont simples. L'entrée c'est 20 gemmes. Oh, le compte à rebours commence une fois que tu passes la porte. Termine avant la fin du temps et t'as gagné. Ah, au fait, il y a beaucoup qui sont morts ici, alors j'espère que t'as sauvegardé avant de venir. Merci. T'es sûr que t'es prête? Bah non, mais bon. On va t'arrêter, hein. C'est bon, t'es ready. Non, ready to go. Bats-toi ben. Bats-toi ben. Et c'est combien le timer? Les timers? On a 3 minutes? Et je suis obligé. Non, je l'ai juste avant. Ah, par contre, une petite régène de santé avant, ça aurait pu être sympathique. Ah non, mais je suis obligé de tuer les mobs pour passer à la salle suivante. Ouais, la petite régène de santé, ça aurait pu le faire. Il y a combien de salles que je dois traverser? Là, il n'y a pas d'infos. Ouais, j'aurais peut-être dû pas forcément y aller en singe. C'est vrai que j'étais. Ah! Mais ouais, mais le. Oh, le jeu, je te jure, les hitbox. Enfin, pas les hitbox, mais. De te foutre le grillage comme ça devant la gueule. Tu vois. Tu comprends pas. J'ai cru que j'allais marcher moi sur le grillage. Et pas le truc. Et pas aller le pas. Que c'était pas un truc à l'avant-plan. Ah mais vas-y, les ennemis qui popent sur la gueule après. Putain, c'est mal fait ça. Ça c'est mal foutu. Vas-y. Je vois qu'il y a des flèches et j'y vais quand même. J'attends rien. Il y a combien de salles à traverser? Bon, on va refaire une première fois. On meurt déjà pas, c'est déjà ça. Même si je comprends pas comment je fais pour pas mourir. Ah, et on peut gagner. Ah ouais, j'aurais dû casser le vase tout à l'heure. Si on peut gagner du temps pour la tour. Après, c'est les prix du niveau. Ouais, quand t'es débutant, ouais, t'as des prix abordables. Ça fait des kits à 400 euros. Ouais, quand, ouais. Évidemment, enfin, au début, tu prends ça, mais après, faudra quand même passer à un moment donné au prix au niveau. Mais ouais, purée, c'est cher. Ça fait mal au portefeuille, hein. Ah, super. Mais elle s'accroche pas, elle s'y accroche pas. Mais elle s'accroche pas là! C'est chiant!
Il y a combien de salles à traverser? Ils le disent pas. Ça aurait été sympathique de donner toutes les infos. Saute. Il y a 5 salles, il y a 10 salles. Ah, je m'attends à un multiple de 5, moi, en tout cas, pas plus. Je sais pas si la boule de feu fait quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est le mort qui est... Ah, eux. Non, non, c'est pas ça. C'est ça qu'on fera plus de dégâts avec. Ah, même si finalement il est peut-être un peu mal placé. Donc j'ai eu... Ah, saloperie, je suis dégueulasse. Ça m'énerve. Ah, c'est pas fini, bien sûr. Il faudra la faire, cette tour de combat, pour gagner des choses, hein. Mais vas-y, tu sais pas... Le blob qui se trouve pile sur le pixel sur lequel tu tombes, tu sais pas éviter. C'est mal foutu. Et ça te balance plein de trucs comme... Aïe aïe aïe, mais quel enfer. Et la boule de feu, je peux que la balancer comme ça, super. Je me trompe à chaque fois de magie. Aïe, ça les touche pas, mais quel enfer. Dégage le blob là. Qui fait aussi n'importe quoi. Je perds plein de temps pour rien et j'arrive à ne pas viser là où je veux viser. Un petit peu à cause de la manette. Ça fait un peu vieille et un peu à cause de moi. Putain, mais tu sais pas descendre sans te faire toucher, c'est chiant. Bon, à mon avis, ça doit être digne. Ah ouais, t'as des niveaux et des mobs qui repop. Mais ça repop, enfin, il y a encore une autre vague d'ennemis. Oh, mais sérieusement, oh, les gens, quoi. Au courant maintenant de comment c'est dégueulasse cette tour. Oui, non, j'en ai un. Oui, mais pourquoi? Ah ouais, c'est pour la danse à mon avis. Si je finis la tour, il m'apprend la danse. Après, donc, je suis peut-être obligé de donner la ville à Baron Hameau. Hein. Enfin, je suis prêt sans être prêt, finalement. Comme je le disais. Ben, c'est vrai que finalement, j'ai perdu 30 secondes de bonus. Sur une plateforme trop haute pour que je le touche avec mes cheveux. Dommage. Saute pas, s'il te plaît, j'appuie pas sur la touche croix. Ah, faut aller chercher les autres. Heureusement qu'on peut regagner 30 secondes à chaque fois.
D'accord, si on met déjà 3 plombs pour gagner ces 30 secondes. Finalement, on gagne que 20 secondes. Il est quelle heure là aussi? 10h55. Ah, allez, vas-y, là, l'autre qui vole pendant que je suis en train de regarder le chat. Qui va là où je suis directement pour me faire des dégâts alors que normalement on s'est pas touché par lui. Vague. Aussi ah ouais ici attends force cire voilà on a pas dû s'y reprendre à plusieurs fois on a gagné du temps sur ce niveau là c'est bien là c'est bien on est pas trop mauvais. Mais non, non, j'étais encore certainement en phase de cooldown. Ah, flûte, Bah, ça devrait toucher leur chaîne. Ah ouais, mais ils me balancent ça, ces salauds. Non, non, par contre, arrêtez de vous protéger, les gens. Ils sont pas fait avoir, sérieux, et lui non plus? Mais c'est quoi cette magie de merde, là? Oh, mais vas-y, ça c'est moi qui me suis fait complètement avoir. Hein. La magie aurait dû les tuer. Hein. Saloperie, tout le temps que j'ai perdu, j'étais bien, j'ai perdu quasi une minute sur cette salle, avec toute ma magie et toute ma vie. Quel enfer. Quel enfer finalement. Peut-être là je prends sur la salle des blobs. Il me touche je sais pas comment. On a toujours pas de nouvelles de Véronique niveau garage, il faudrait quand même que tu aies visa là. Parce que... Allez, j'y vais. Ouais. Ce soir, je sais pas quand. Ouais, ce soir. Il y a à manger dans le frigo et que la vaisselle soit faite. Ouais. Après tu vas voir sur ton mais Instagram je serais pas forcément voir, j'avais un compte Instagram, j'ai jamais rien posté dessus, je sais pas si c'est à cause de ça, mais ils ont décidé de ban mon compte Instagram, alors que je n'ai jamais, parce que j'avais enfreint le règlement Instagram. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai rien posté que j'ai enfreint, parce que si j'ai posté quelque chose et que ça enfreint, je comprends pas ce que j'ai posté vu que je n'ai jamais rien posté. Je ne postais rien, mais j'y allais. J'y allais, mais je postais rien moi. Moi c'était pour regarder des trucs que j'y allais, que j'avais un compte. Bon c'est ici qu'il y a trois vagues d'ennemis. Et il pop à chaque fois sur la gueule. Bon, ça va. Après, je regardais, hein. Mais quel enfer, ceux-là, je les déteste. Et l'autre qui met du temps à cramer. Ah, mais non, mais c'est vrai qu'on se prend les explosions. Et il balance un citrouille juste sur ma gueule, quoi. Je peux pas l'éviter. Non. Je dis non et je saute. Je suis vraiment dans la même salle. Bon, on va retenter une dernière fois.
Sinon, enfin, ça se trouve, mais ça se trouve, je vais réussir pour la suite, j'en sais rien. Oui, j'ai sauvegardé avant. Je peux vérifier par contre si. Ouais, je sauvegarde, je suppose que quand je meurs, je recharge à ma dernière sauvegarde. Elle qui vient directement sur ma gueule, donc je perds des secondes. Je perds du temps bêtement dès le début. Ouais, je regarderai après le live. Lui est trop petit pour être touché. Ouais, vas-y, quoi. Je voulais sauter derrière la flèche. Oh, putain, mais je me fais toucher bêtement. Ça me tue, là. Et là, c'est parce que c'est. Oh, ça me. Je joue avec une autre manette, je crois. Elle commence à faire n'importe quoi cette manette par moment. Elle saute quand je saute pas. Elle fait des trucs que je demande pas. Il fait que bah, ça me complique un peu la tâche. Bon après 20 gemmes l'entrée finalement on s'en fout vu que avec l'argent que je trouve je rentabilise mon entrée hein. Donc je peux mourir, je peux payer les 20 gemmes, ça me dérange pas finalement. Elle meurt comme Samus Aran, ben ouais. Bon après ça doit être une licence qu'ils apprécient certainement les développeurs. C'était un petit clin d'œil peut-être. C'est vrai comme je les ai jamais fait moi les Metroid. C'est pas une licence. J'aime bien le personnage de Samus, mais c'est pas une licence qui m'attire plus que ça. Ah ouais ça touche. Ah oui si je l'ai dit, si je le touche, il me touche. Enfin, c'est surtout qu'il a le temps de taper. J'ai pas le temps de balancer ma dernière. Ah ouais. Attends, on va retenter. Ah, j'arrive pas à sauter. Non, mais tu t'en vas, monsieur. Oh, t'es chiant, t'es juste là où il faut pas. Allez, les autres, évite l'archer, enfin évite l'armure. Ah, mais là je peux quand même le toucher si je suis en hauteur, malgré son bouclier, je le touche. Parce que le bouclier touche pas, protège pas la tête. C'est des trucs qu'il faudra tester, hein. Pour être sûr. Mais j'ai reçu le pouic, hein, vous l'avez certes, enfin, peut-être pas entendu finalement. Les blobs, là ils sont chiants les blobs. Ils touchent alors qu'ils devraient pas. Je sais pas esquiver ces petites boules là, comment tu veux pour esquiver ça là, et le blob qui bouge pas, ils sont pénibles ces blobs là, mais j'arrête pas de me faire toucher, spawn touché en boucle par des blobs là, parce qu'ils bougent nain, putain, c'est la pire salle, c'est les blobs, comment tu m'expliques ça le jeu, et il se fait pas toucher par la boule de feu, comment tu m'expliques que la pire salle c'est les blobs? Sincèrement, tu le justifies. Ouais, tu le justifies comment? Tu es obligé de te faire toucher, c'est dégueulasse. Je peux pas les toucher, elle me touche par contre. Ça saoule ça.
Non, c'est les citrouilles. Arrête de sauter, je t'ai pas demandé. Toi par contre t'as pas le droit de venir ici. Hein. Putain. Ouais, bah j'aurais été plus loin, mais je vais mourir. Hein. Enfin quoi, j'ai peut-être gagné de la vie, la mort. Ouais. Donc quoi, ça va être 10 niveaux là à la tour, je suis au niveau 8. Bon, plateforme. Ça va. C'est un bon niveau. C'est vrai que la 4. Oh mais non, de la magie, tout plein. Genre une fiole de magie, je voulais bien, mais une de cœur aussi. Tout à l'heure c'était la 4 hein, qui était aussi la salle de saut. Saute pas. Bah vas-y, des archers là au niveau du sol. Je perds tout le temps. C'est long. Enfin, sauf si encore une vague. Du cœur. Espérons que ce soit bien la dernière salle. Je crois que c'est l'armure. Putain, il me touche. Faut être à distance hein, pour les armures. Sinon, il sort que le bouclier. Ah, un bleu. Je sais pas ce qu'il fait de différent, lui. Vas-y, meurs. C'est bon. C'est la fin, tu me dis que c'est la fin le jeu, s'il te plaît? Oh, vas-y, mais... Il y a combien d'étages, là? Ta tour de combat, tu précises rien. Ah, c'est le boss. Putain, c'est le boss, et j'ai utilisé toute ma magie avant. Ah. Oh non, des blobs. Mais comment tu veux passer, les blobs, là et ils... Ils sont juste là où tu dois sauter, et puis quand tu bouges en avant, ils sautent. Oh merde. J'aime pas. Ah, les bobs. Qui vont apparaître sur ta gueule en plus. La magie. Touche. 2, 3. Enfin, la zone de boss. Ah, ça va être niveau tank, ça va être chaud. Putain, le temps, et je sais pas s'il y avait encore des ennemis derrière. Ah, c'est bon, là. T'étais pas auprès de ce coup-ci, alors. Allez, réessaye. Oh, saloperie. Je suis sûr que c'était le dernier niveau. Eh ouais, c'est... Putain, j'ai dit non. Tu mets tellement trois plombes pour raconter ta vie. Je suis un peu heureux. Oui, j'ai vu, mais j'ai dit que je regarderai après le live. Parce que là, avec la connexion qui... Enfin, pas forcément la connexion, mais OBS qui merde, j'ai pas forcément envie d'ouvrir d'autres trucs. Si OBS tenait bien, là, je veux bien, mais il est chiant OBS en ce moment. Je sais pas pourquoi. Mais je regarderai après, t'en fais pas. Ah, vas-y, quoi.
Mais t'en avais encore d'autres, bien sûr. Putain, je vais perdre la vie complètement Kratos ici. J'ai perdu tellement de vie. Je pensais qu'il allait quand même avoir des trophées. Je vois qu'il y avait, je voyais sur le site qu'il y avait des trophées, donc j'en ai pas encore vu un seul. Enfin, je crois pas en avoir vu un seul. Putain, mais je me fais toucher par eux, sérieusement. Et ils arrivent plus de voler. À chaque fois, ils faisaient que genre je vole, puis je réatterris direct. Là, non, ils restent dans les airs comme des cons. Je sais plus si j'ai eu un trophée. Y'a des trophées ou pas? Ah oui, y'a des trophées. Ouais, si, j'en ai bien eu un. Donc t'es en train de me dire que vraiment, genre tout ce que j'ai déjà fait, y'a que dalle. Balle embuscade. Genre j'ai eu un trophée au début. Et t'es en train de me dire que j'ai vraiment... Enfin, ouais, y'a 4 fins. 100 conteneurs de cœur. En plus. Ah merde, c'est déjà foiré donc. Il faut écraser des ennemis, il me faudra un pouvoir, certainement. Élimine 50 ennemis avec la faute, j'en ai déjà utilisé quelques-uns. Je sais pas ce que sont les Tinkerbats. J'utilise pas de potions pour le moment parce que j'y pense pas. Bah le boss 1 en utilisant l'électricité seulement, c'est bien le poulpe. Ah mais quel enfer. Ok, donc ouais, c'est un peu normal que j'ai que dalle comme trophée pour le moment, à part le premier. Genre fais le tuto puis finis le jeu quoi, comme trophée, c'est bien. Pas de trophée lié à l'histoire. Enfin, plus que ça. Non, c'est genre, voilà. Genre, lance le jeu trophée, puis après c'est fini le jeu à 100% trophée, voilà, point. 2 trophées dans ta liste. T'as pas besoin de plus, mec. Soit on sait que t'as commencé, et après on sait que t'es en cours. Hop. Oh, vas-y. Que ça fonctionne quand même. C'est bon, bon par contre il est pas mort avec la foudre. Ah ouais, donc il veut que je finisse le jeu rien qu'avec 3 coeurs, je suppose que c'était ça que ça demandait. Quand il dit 100 conteneurs de coeurs. Parce que j'avais 3 coeurs en début de jeu. Allez, blob. Ça balance tellement de petits cailloux là. Et là tu sais rien faire. Là tu sais rien faire. Ils se mettent dans les coins. Et puis après, dès que tu viens, ils te chargent. Les salauds. Ça saoule ça. Et ça touche quand même. Oh, ils sont horribles ces blobs. C'est le pire mob du. Comme à chaque fois, les blobs. T'as l'impression que c'est le boss de un mob tout ça. Mais finalement, c'est le mob le plus chiant du jeu. Et il est quelle heure? Ouais, bah, si on réussit la tour, je crois. Enfin, il faudra pas oublier de faire le tirage pour le concours. C'est bon. Non, de l'autre côté. Non, mais descends, reste pas sur... Putain... Pas sur les plateformes, reste à terre. Ça suffit. Ça suffit pour toucher les deux. Hop, un cœur. J'ai pas pris... Putain, j'ai pas pris le bonus de temps de 10 secondes. Ah, regarde. Ah, là, c'est un saut, c'est des sauts. Voilà, c'est bien.
Je suis à fond et j'ai toute la magie, je vais pas prendre ça, c'est perdre une ou deux secondes. Bon, par contre, le saut depuis la chaîne, j'ai un peu du mal à ce qu'elle lâche la chaîne. Chaque fois, elle veut la tenir. Et par contre, elle saute et je me fais toucher par l'ennemi, alors que je ne veux pas. Et lui, il ne descend plus. Putain. Non, le cœur, ça va être quand même pratique. Ah, la coque. Ah, vas-y, mais. Elle se relève pour taper. Je dis la manette un peu chafouine. Qui m'aide pas du tout. Mais je crois que niveau temps, je suis quand même mieux. Ah, enfin, quoi, faudra revoir la salle suivante. Parce qu'il y a encore la salle de boss après. Donc il y a 11 salles finalement. Enfin, il y aurait 11 salles. Ah ouais. Parce que je le lance pas trop finalement, vraiment comme ça. Oh, ça passe. Ah, mais je peux taper mon nuage ? Pour l'envoyer là ou là? Ok. Mais je savais pas ça. Encore une fois, j'utilise toute la magie. Hein. J'aurais dû taper le nuage. Là, je perds du temps. C'est sérieux, mais le jeu. Je te déteste. Perdu là sur cette salle, elle est horrible cette salle avec les chevaliers en armure. Donc, sûrement, j'utilise ma magie, je perds de la vie et je perds énormément de temps. Ah, c'est les blobs d'abord, bien sûr, qui touchent. Mais tu meurs pas. Mais je suis pas mieux au niveau temps. Oh mais vas-y là, les archers au sol là. Putain, elle saute. Je te déteste. Ah, mais vas-y, mais c'est horrible, hein, c'est tellement long. Bon, bah tant pis, je reviendrai plus tard. Mais non, mais je fais pas. C'est tellement long, ta grotte, là, ta tour, horrible. Quel jeu, je te jure. Misère ça. C'est normalement 10 salles, hein, pas 11. Au courant le jeu. T'as peut-être pas besoin, là je déraille. Ouais vas-y quoi. T'as les deux mobs volants là qui te sortent de derrière les feuillages, donc tu les vois pas. Super. On met la bonne ambiance. Je suis pas allé, moi, dans le jeu.
Ah mais je suis pas allé là-bas. Je suis pas allé par là-bas, il faut que je... Mais il y avait un... Ouais, ça se trouve, je sais pas le faire. Putain, les blobs, ils sont horribles. Le pire mode du jeu, le blob. Incroyable. Je voulais toucher. Il y a une zone où j'ai pas été, mais il y avait une espèce de golem de pierre qui m'a empêché de passer la première fois. On va voir ce qui m'empêche toujours. Ou si je vais pouvoir passer. Parce que sinon, j'ai l'impression que je suis bloqué sur la tour de combat pour les 30 prochaines minutes, si j'arrive pas à la passer. Enfin, les 40 prochaines minutes. Ah, vas-y, il y a évidemment un mob là. Et je crois que j'en ai besoin pour faire la danse sensuelle. Ça se trouve, j'en ai besoin pour justement ces golems de pierre. Comment ça se fait? Et j'en fais quoi aussi de cette confiture magique? À qui je la donne? Tu vas pas me faire croire que la confiture magique c'est de la monnaie. Hein. Donc ça a peut-être bien changé depuis que j'ai vendu la ville. Runch avait une tente lorsqu'il volait au-dessus du désert. Tu devrais peut-être y aller jeter un œil. C'est déjà fait. C'était la tente. C'est déjà fait en principe. Enfin, on y a été. Non, il faut en fait que j'y retourne pour je sais pas quoi. Non, je viens de le faire. Faudrait que je trouve quoi faire de cette confiture. Et si je dois bien faire cette tour de combat. Quand je serai grand, je maîtriserai la magie du feu. Comme ça, je pourrai brûler tout ce qui se mettra en travers de mon chemin. Ah, mais je suis pas sûr que... C'est vrai que j'ai pas testé de brûler les grosses briques. Mais je ne pense pas. Hein. Les cruches contiennent toujours plein de trucs. Oui, ça c'est vrai. Personne ici ne pourrait fracasser un golem. Alors qu'est-ce que c'est que ces pancartes? Genre, pas touche au golem. Ben ouais, je ne sais pas, j'aimerais bien les fracasser, mais je n'ai pas ce qu'il faut non plus. Hein. Magasin d'objets. Et ouais, j'ai vraiment que 5 confitures magiques. Et tu es en train de me faire croire que... Ou alors c'est avec les 4 runes que je peux acheter tout le bousin. Mais... Comment ça, je viens d'acheter... Comment ça? Attends, c'est quoi l'arnaque? Capture magique. Je viens d'acheter le sort. C'était. J'ai pu acheter un sort que j'ai pas l'argent. C'est quoi? Attends, j'ai 4 pots magiques. Et j'ai 807 pièces. Et je pourrais acheter des trucs maintenant? Déjà, ça fonctionne sûrement. Tu vas m'en prendre 105. Quoi. 707. Mais c'est n'importe quoi le truc. Non, ça à mon avis c'est faire plus de dégâts. Mais c'est n'importe quoi leur jeu, leur truc. Ah mais non, je viens de comprendre. Je croyais que... Non, il me faut 2 pots de confiture magique et 250 pièces là pour le méga nuage. C'était mal expliqué. Là, il me faut un pot et... Ok... Faire tourner une boule à pointe mortelle autour de toi. Ouais, je peux toujours l'acheter, finalement. Ok... Ah, c'est dommage, là, la crème soyeuse, à mon avis, c'est pour faire plus de dégâts avec les cheveux, finalement. Non, ce serait pas déconnant.
Des dégâts, on continue avec une portée maximale. Ouais, vas-y, on va foutre. J'ai amélioré à fond le nuage. Ah non, ça sent plus automatiquement. Est-ce que... Ouais, j'en ai 6, ouais, vas-y. Même si j'utilise pas mes potions parce que j'y pense pas, je vais encore en racheter. Je peux en avoir que 9 maximum. Ok. Il y a des trucs, c'était pas clair. Hein. Donc je sais quoi faire de la confiture maintenant. Même si forcément, on sait pas forcément toujours où aller. Si, je voulais tester là-bas, j'avais dit. Le golem. Il va peut-être reparler au maire. À qui... Parce que j'ai vu que je viens de vendre la ville, peut-être qu'il va me dire quelque chose. Ouais, il veut pas. Hein. Ah, par contre, le maire, j'y retourne, je veux bien, mais via télépoulpe. Tu as déjà été dans la caverne de la forêt? Il y a une porte verrouillée à l'intérieur. Je creuserai peut-être là-dedans un de ces quatre pour voir. Ça serait évidemment plus pratique si on en retrouvait la clé. Il y a une tour mystérieuse dans le désert. Un des barons y habite peut-être. Ouais, il y a un mec qui me donne des indications, mais sans plus. Je vais évidemment pas s'attendre à ce qu'il me donne la solution complète. Je crois que je dois faire la tour. Je suis obligé de faire la tour, enfin, à mon avis. C'est embêtant. Refuge bord de mer. Ouais, on va voir pour l'ancien maire. S'il y a quelque chose ou pas. Je t'en prie, donne cet acte à l'âme au baron. C'est la seule issue. C'est fait. Ouais, c'est fait, mais t'es pas au courant, d'accord. Donc je suis revenu te voir pour que dalle. Super. Pour le moment, je sais soit t'as retourné dans la forêt ou c'est le désert. Hein. Pour le moment, la forêt c'est fini, même qui. S'il y avait bien une grotte sans avec une clé, enfin une porte à clé, mais j'ai pas la clé. Et je sais pas où aller. Bah, je crois que je suis obligé de faire le désert. Je suis obligé de faire le désert et sa tour. En tout cas, c'est peut-être la boule à pointe qui permet de détruire ça. Non. Vas-y, on fout, utilise un mort de magie. Ça va faire que dalle. Ça fait que dalle. Toutes les explosions que ça a fait que dalle, sérieusement. Si c'est pas de l'arnaque. Si c'est pas de l'arnaque totale, ça.
c'est relou aussi les trucs qui volent, quand c'est intouchable. Purée, c'est comme un blob. Vas-y. Mais je vais mourir, je tombe sur tous les mobs. Non, et il me poursuit en plus de ça, ce con de mob. Ça saoule, laissez-moi tranquille. Eh non, encore un là. Laissez-moi tranquille, il donne de la magie, merci. C'était de la vie là que j'ai plus besoin. Si au cas où t'as pas remarqué. Et pas. De la magie, essentiellement. C'est ça qui m'intéressait le plus. Putain, touche. Ça donne pas de vigne, hein. Ça veut pas donner de la vigne, hein. C'est incroyable. Ouais, c'est bien par ici. Ah vas-y, je retombe, je fais la même erreur, je retombe dans le trou. Quel enfer. Le trou qui est situé au pire endroit au monde. Pas de vie, toujours. Putain. Il donne pas de vie, hein. Mais c'est incroyable. À quel moment ils veulent jamais donner de vie dans ce jeu? Ça va être bien la première, hein, les premières salles. Sans vie. Oh bah on va retourner malheureusement dans le... à la tour de combat, hein. Je crois que c'est la seule, c'est le seul truc que je peux faire pour le moment en tout cas. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre dans le jeu. À ce moment-là en tout cas. On rentre dans la tour par contre. Saute, hein. Chanter. Putain, j'ai perdu du temps parce qu'elle veut pas, enfin parce qu'elle veut pas se décrocher de la chaîne. Thank you.
La porte qui met du temps à s'ouvrir. Aussi. C'est le seau. Je me demande aussi ce qui influence ces différentes fins, vu qu'il y en a 4. Qu'est-ce qui va faire que on part sur telle ou telle fin? Re Vitini, elle a peur de tomber, nous non plus, on serait pas rassurés. Oui, 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 bah normal. Hein. Normal là, qu'elle ait peur de tomber. L'autre il explose aussi, hein, c'est les hommes de Sam Michael Bay. Ah, flûte, Mais non, non, par contre, oh, fallait pas faire ça. Ces hommes en armure. C'est bon, ils font perdre tellement de temps, tellement chiant. Aïe 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 aïe. Tour de combat là. J'ai envie de faire ça, moi, c'est sûr. Ça c'est bien pas là, c'est Animal Crossing. Ah, ça passe, ça passe. Et arrêtez les blobs là. Comment vous faites pour être les pires mobs du jeu à chaque fois? Lancez vos petits crachats de merde là. Accroche-toi. Oui, saute. Par là. Vas-y, là je peux pas passer parce que t'as les trois mobs qui sont à l'étage en dessous que je peux pas taper et puis après qu'ils prennent tout l'espace, ça s'ouvre. C'est pas ça que je voulais. Mais je prends trop de dégâts. Hein. Et ça les tue pas quoi, pendant que je suis pas là, genre ça fait rien. Je suis trop tôt. Le jeu est un peu moche hein, pour le moment. Il donne aucun cadeau. Hein. Non, j'aurais pas dû sauter, je savais. Il part dans rien. Ouais, si on ne donne pas beaucoup de vie là, entre les deux, je sais pas jusqu'où je vais encore aller. Hein. Ah, si, si, ça va être bien. Ça va être déjà la plateforme. Ça passe. Ça passe pas, bien sûr. Je saute beaucoup trop tard, trop tôt. Ah mais ça donne que de la magie ici, Starnak. Genre, hein, comme si on utilisait la magie hein, pour sauter. J'ai avancé dans le Chicken Police. Vitini. J'ai parlé, j'ai fait l'interrogatoire d'IBN. J'ai interrogé. Purée, je retiens plus, j'ai pas les noms là. J'ai pas les noms, je suis pas dedans, j'ai pas les noms là. Celle qui nous a engagé. J'ai pas son nom, je tombe plus sur les noms, c'est incroyable. Celle qui détient le Xar. Donc je suis allé dedans, je dois être à plus ou moins 3 heures de jeu dans la vidéo.
Non, c'est ça que je veux. Ah mais ça fonctionne pas. Ça s'est passé trop loin là. Quel enfer ce niveau et j'ai encore repère tout mon temps ici. Quel niveau horrible ce niveau 10. Ah ouais, casse-toi. J'utilise toute ma magie. Hein. Et il est pas mort l'autre, mais quel enfer, je perds tellement trop de temps ici. Il a pas. Il s'est pas fait toucher, mais quel enfer. Quel enfer, il se fait pas toucher. Enfin, j'ai pas de temps là. Je vais pas y arriver parce que j'ai pas le temps. Parce que je n'ai pas de temps, parce que je mets trop de temps sur cette salle, parce que je comprends pas de comment bien tuer ces hommes en armure. Et qu'ici on a que des mobs qui pop à chaque fois par vague. J'arrive pas à tuer les blobs, alors que c'est censé être le mob trop facile. Donc je me fais toucher par toute leur purée d'attaque. J'ai perdu combien de temps là sur ces blobs, sérieusement. Je devrais arriver, c'est tac-tac là, les blobs. Comme tous les. Comme eux. Tac, 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 ça passe. Là, il y en a encore une autre. Toujours. Puis c'est les hommes de sable, on a vu. Ah non, c'est les archers. Putain, il y a des archers en avant. Ça saoule, c'est le tour de combat. Ça saoule, j'ai l'impression que je suis obligé de passer par là. Ça va aller, qu'est-ce que c'est, Witch ? 20 minutes, ça fait quoi ? Ça fait encore un tour de combat. Ça fait encore un essai de tour finalement. Et puis, je vais le faire maintenant. On va faire le draw, je vais faire le draw. Avant d'oublier. Alors c'est draw pick. Non c'est draw pick, oui. Draw pick. Me voir en plein écran sur la TV, ça fait bizarre. Ouais, mais encore, je suis quand même petit là, je suis pas sur la fenêtre où je suis un peu plus grand, donc ça va encore, heureusement pour toi. Tu es protégé. Alors c'est draw pick. Oui, eh ben, c'est Papa Ours. C'est Papa Ours qui a gagné. En espérant qu'il... Comment ça, c'est toujours pas toi? Mais c'est toi? Ah non, c'est toujours pas Mika. Non, c'est Mika qui vient de répondre, vu que vous êtes en rouge tous les deux. Mais oui, un rouge un peu différent. Mais non, toujours pas, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de candidats. Il a déjà gagné. Ah, est-ce que je peux refaire un draw? Mais ouais, mais si vous avez déjà gagné, faut pas participer, les gens. Hein. Surtout que Papa, parce que je suis sûr qu'il était au courant qu'il pouvait pas participer. Donc je suppose que je refais un draw pick. Faut pas participer si t'as déjà gagné. Moi je sais pas qui a gagné. Comment veux-tu que je le sache? C'est pas comme si je voyais la liste. Ah tu savais pas? Ah mais c'est ouais, après c'est le genre d'info, évidemment, on dit pas. Hop, drop pick, si je refais ça fonctionne. Ah bah c'est Enchantress. Est-ce qu'elle a déjà gagné Enchantress? Moi je sais que je viens de gagner chez Zorino. Donc, Cypher, à toi de me le dire, sinon je rebalance un draw. Non, tu viens de gagner chez moi, Enchantress, voilà. J'espère que ça te fait plaisir. Bon, je ne sais pas si ce que tu as gagné, par contre, à part un jeu, mais je ne sais pas lequel, donc n'hésite pas un jour à me le dire. Ah, je suis obligé de me faire toucher par ce mob-là dès le début, ça me tue. Dans un hôtel 5 étoiles, offert par Cypher, je dirais. Bien sûr. Quelle gentillesse, Cypher. Et c'est Gamers chez Senpai, mais en même temps, il devait pas y avoir. Enfin, je sais pas s'il y avait beaucoup de gens. Chez Zorino, on était quoi, deux? Enfin, on était sûrement au moins deux, ça c'est sûr.
Il y avait Mythica et moi, parce qu'on a fait, il y avait Mythica et moi, parce qu'on a fait ça, on a fait le tirage, on a rentré notre ticket à 7h du matin. Mais je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de gens avant. Encore une fois, et puis je peux passer. Allez, il faut de la vie ici. Finalement, je suis pas sûr que ce nuage soit très pratique. Ou alors si, mais enfin, je sais pas comment. Ça pourrait être bien pour faire énormément de dégâts aux armures, mais faut bien l'utiliser, quoi. Vas-y, je me fais toucher par lui, c'est pas normal. Mais je devrais pas me faire toucher par lui, ni me faire repousser, perdre du temps. C'est pas normal. Mais non, il y a encore le golem de feu. Enfin, le golem qui explose. C'est normal, les golems, ça explose. Bah, joue au loto. Alors, en effet, si t'as jamais eu autant de chance, pense à jouer au loto. À l'euro million. Avec un peu de chance, ça va être. Vas-y, je tombe, je perds du temps. Je rate la tour parce que j'ai faute de temps. Et j'arrive encore à tomber. Et perdre du temps. C'est pas mal. Mais ouais, pense à jouer à l'euro mignon et à partager avec nous les gains, bien sûr. Et félicitations, mon enchantresse. De rien. Normal. Bah, remercier la club, surtout. Hein. C'est la club qui fournit le jeu, hein. Il va donner son coup. Il va donner son coup, je peux faire. Et l'autre, ça l'a pas touché vraiment. Vraiment, ça l'a pas touché lui. Voilà. Ça... Mais ça le tue pas là, si, quand même. Faut arrêter de déconner là, ces hommes en armure là, qui résistent aux explosions, aux mille explosions du nuage. Ah, c'est vrai que ma magie remonte automatiquement là. Car j'ai compris la confiture magique, hein, Vitini. Il me demandait pas 100 ou 150 confitures magiques, en fait, il me demandait une confiture magique et 100 ou 150 pièces de rubis. Parce qu'il y a d'autres trucs où ça demande 2 ou 3 pots de confiture magique. Parce que... Il n'y a jamais autant de confiture magique. Ouais, ici, j'en avais que 5. Ah, vas-y, je suis obligé de me faire toucher, comme d'hab. Même si j'ai au final, ouais. Parce que quand je suis allé à la boutique, j'avais que 5 pots de confiture magique. Et j'ai déjà fait une bonne exploration... Enfin, une petite exploration du monde. Mais je me dis qu'il n'y a jamais 100 pots de confiture. C'est pas possible. Donc voilà, en fait, c'était ça. C'était de l'argent et de la confiture. C'est vrai que c'était absolument pas bien expliqué. Hein. Allez, je me fais toucher, j'adore. Bon, ces deux-là sont déjà morts. Je vais éviter les citrouilles explosives. Je me refais toucher. Ouais. Final. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour toi. C'est pas simultané ces deux cocos. Ils sont pas synchro, hein, putain. Et j'espère que... Ah ben c'est la Club TV, que je raid la Club TV, donc ne partez pas, hein. C'est Cypher, je pense, qui prépare tout doucement le live. Mais vas-y, je rate mon saut là, parce qu'elle s'accroche pas à la première chaîne et que j'étais trop court pour la deuxième. Mais je suis un petit peu mieux niveau de temps. On va rebalancer les gros nuages sur les armures. Donc, normalement, non, c'est la salle suivante, les armures. C'est la 10, hein, les armures, il me semble. Ouais. Ah oui, ici c'est cette salle, encore une salle de bain. T'es pas touché trop près déjà. Qu'en faire. Ils sont morts. Ah ouais, ouais, si, si, ouais.
Ça passe pas, ça passe pas, je fais de la merde. Je fais de la merde en bas. Il me faut de la vie, il me faut de la vie. Mais je crois que ça va être la magie. Non, ici c'est la vie. Non, c'est de la vie, ça va.